Harry et Meghan Markle, dévastés, la pilule ne passe pas après leur dernier camouflet. Ce mercredi 12 juillet, le duc et la duchesse de Sussex ont essuyé une grosse déception. Leur documentaire Netflix, Harry et Meghan, a été snobé par les Emmy Awards, qui ont annoncé leur nomination hier. Le projet avait pourtant reçu le soutien de grands noms de l'industrie, ce qui contribue certainement à la colère du couple. Coup dur pour les Sussex. Ce mercredi 12 juillet, les Emmy Awards ont annoncé les nominations de leur édition 2023. Et malheureusement pour les parents d'Archie et de Lily Bay, leur documentaire Netflix Harry Meghan n'a pas retenu l'attention du jury. Une nouvelle qui aurait dévasté le couple, selon le média britannique The Mirror. Pourtant, tous les indices semblaient être au vert pour le duc et la duchesse de Sussex. À la sortie du projet, Harry et Meghan avaient tout de même cumulé plus de 80 millions d'heures de visionnage au cours des 4 premiers jours de diffusion du documentaire sur Netflix. Les attaques formulées contre la famille royale britannique par les parents d'Archie et Lily Bay avaient intrigué le grand public, surtout après les révélations faites sur le canapé d'Oprah Winfrey. Le programme avait également reçu le soutien de grands noms de l'industrie, tels que Mark Boardman, qui avait prédit une rafle de prix aux Emmy Awards, à tort. Une nouvelle qui aurait dévasté les Sussex. Même si, envers et contre tout, Harry et Meghan gardent la face. Évidemment, ils ne montrent pas leur déception, a commenté Ingrid Seward, experte royale et rédactrice en chef du magazine Majesty. Quelle suite pour Harry et Meghan? Après l'échec cuisant de Harry et Meghan aux Emmy Awards, les Sussex pourraient se retrouver dans la panade avec Netflix. Le couple a signé un contrat à plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming américain, dans l'optique de produire une série de documentaires pour la plateforme. Des premiers esclandres ont éclaté plus tôt cette année, laissant entendre que les parents d'Archie et Lily Bay ne seraient pas assez productifs. Pourtant, la rumeur dit que le prince Harry serait en train de travailler sur Art of Invictus, un projet se concentrant sur son implication dans les Jeux paralympiques. Mais les événements récents pourraient venir remettre en cause le futur de la collaboration entre les Sussex et le géant du streaming.